Les entretiens du marquis, partie 2. Rebonjour. Vous avez peut-être constaté quelque chose, c'est que j'ai du mal à poster mes vidéos comme autrefois. Alors, il y a une raison à cela, elle est toute bête, ça s'appelle le décalage horaire. C'est que vous avez changé d'heure et que nous aussi, en Australie, nous avons changé d'heure. J'avais autrefois 10 heures, ce qui me permettait de poster mes vidéos à 17h30, heure de Sydney. Cela faisait 7h30 pour vous. Mais là, patatras. Eh bien, pour poster une vidéo à 7h30 pour vous, cela fait maintenant 3h30 de l'après-midi. Donc c'est très compliqué de finir le journal et je sais que beaucoup d'entre vous m'ont demandé de les poster hein, avant d'aller au travail. Alors je fais mon possible, je vous l'assure. Alors la première grande nouvelle que je voulais traiter, c'est le voyage en Chine d'Emmanuel Macron. Macron a été très mal reçu par les Chinois à la sortie de son avion. Hein. Il a été salué par un gilet orange et par un vice-ministre en faction. Pas de tapis rouge, pas de photo, contrairement à l'Espagne, la Malaisie, etc. Il monte dans une limousine et puis c'est terminé. Dans les aéroports chinois, on croise des gens qui ne sont rien. Et en effet, Emmanuel Macron, vous le savez, ne pèse plus grand-chose. Il est accompagné de von der Leyen pour qu'il évite justement ses déclarations à l'emporte-pièce. Déjà, il a changé son narratif. Il avait expliqué qu'il allait freiner l'ambition de Xi vis-à-vis de la Russie. On apprend aujourd'hui que c'est terminé. Il veut être un homme de paix. Il s'est fait sacrément taper sur les doigts par la diplomatie européenne. Et une photo vaut mieux que mille mots. Regardez-le devant Xi, tout aplati. En effet, Emmanuel Macron ressemble véritablement à un larbin. Il n'est plus rien et il le sait. Il le sait d'autant plus que nous venons d'apprendre que pour la première fois, les BRICS sont devenus plus puissants économiquement que le G7. Je me rappelle qu'en 92, on nous avait expliqué que faire l'Europe, c'était d'assurer la croissance et la richesse de l'Union européenne. L'Union européenne qui représentait plus de 30% de la richesse mondiale, au-dessus des États-Unis, ne représente aujourd'hui que 12%. Ensemble, on allait devenir les plus forts. Ensemble, on est devenus les plus faibles. Il suffit d'ailleurs de regarder Emmanuel Macron vis-à-vis de Xi. Et puis, dans le même ordre d'idées, nous voyons ce genre d'informations. Elles sont très importantes avec la dédollarisation. Le plus grand producteur de pétrole russe, Rosneft, et le plus grand raffineur indien ont accepté d'utiliser l'indice de référence du prix de pétrole de Dubaï et non l'indice de référence Brent dominé par l'Europe. Il se passe de ces trucs en ce moment. Oui, ça s'accélère, cela s'accélère. Nous sommes laissés de côté. Pendant ce temps-là, on nous parle que nous n'aurons plus le droit de maison individuelle, que nous allons avoir l'eau rationnée, l'électricité, qu'on ne pourra plus se déplacer pour une empreinte carbone. Voilà ce qui se passe en Europe. Ils sont en train de faire en sorte de nous maîtriser parce qu'ils savent que normalement, dans un monde, je dirais, ouvert, ils n'en auraient plus pour longtemps à la tête de l'Union européenne. Et je voulais aussi passer ce film. Vous savez tous que LCI, ce n'est plus une chaîne d'information, c'est une chaîne de propagande. Ils ont raconté n'importe quoi sur la jeune fille que je vais vous présenter. Et elle a demandé un droit de réponse. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Nous allons l'écouter parce que, franchement, LCI, honte à vous. Bonsoir. Je voudrais m'adresser aux téléspectateurs, mais aussi aux rédacteurs de la chaîne française LCI. Cher monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je souhaite exprimer des doutes sur votre aptitude professionnelle. Hier, à l'antenne du soir, vous n'aviez aucun autre sujet intéressant que celui de consacrer de longues minutes à mon humble personne. Vous l'avez fait d'une manière totalement non professionnelle. Vous n'avez même pas pris la peine de savoir qui je suis, qui est mon frère, où nous vivons et ce que nous faisons. De plus, vous avez dit beaucoup de mensonges. Le destin m'a fait naître dans une famille d'un haut fonctionnaire russe influent, comme beaucoup l'appellent maintenant. Mais pour moi, c'est d'abord un père, et c'est un père que j'aime énormément. Peut-on rapprocher une fille d'aimer son père? Dès l'enfance, il m'a appris la valeur du travail, des responsabilités. Il m'a fait comprendre que un nom de famille peut être davantage un fardeau qu'un privilège.
Donc, dès le plus jeune âge, j'ai pris conscience de mes responsabilités, ne cessant de travailler et de chercher ma propre voie. J'ai toujours voulu prouver que j'étais capable d'accomplir les choses par moi-même et que ce que j'accomplis est le fruit d'une éducation et d'un travail acharné et non seulement au bénéfice d'un an. Ce n'est un secret pour personne que j'ai vécu longtemps en France avec pas plus de ces 100 euros par mois, malgré le fait que je sois la fille de Peskov. J'ai étudié dans un internat à l'université, j'ai travaillé dans des entreprises françaises ainsi qu'au Parlement européen et au Sénat. Donc, j'essayais toujours de saisir chaque opportunité. J'ai longtemps vécu à Paris, que j'aime beaucoup, et j'ai vécu une vie d'une jeune fille à la française. Et puis, je suis retournée en Russie il y a déjà presque 5 ans, où je suis diplômée de MDiv en relations internationales moi-même. Maintenant, je vis à Moscou constamment et je travaille beaucoup afin de gagner mon propre argent. Et non, je ne suis pas retournée en France depuis janvier 2022. Soit vous pensez que je suis une idiote complète, non, je ne le suis pas, soit vous êtes sûr que vos gardes frontières sont des idiots. De plus, je travaille depuis plusieurs années à la Fondation pour le développement des initiatives franco-russes. Et grâce à ma collaboration avec Pierre Malinowski, nous avons repatrié ensemble le général Gudin en France, qui repose maintenant aux côtes de Napoléon sous le dôme des Invalides. Connaissez-vous beaucoup de personnes qui ont fait ça avant nous? Regardez notre travail pour la France avant de la ramener. Vous ne connaissez pas du tout mon frère, mais je ne vous parlerai pas de lui. Si vous êtes de vrais journalistes, essayez de découvrir vous-même la vérité. J'espère que ce sera intéressant pour vous et vos téléspectateurs de savoir que je suis sous les sanctions de la moitié du monde. Demandez-vous, qu'est-ce qu'une jeune fille de 25 ans a dû faire pour être déclarée ennemie par la moitié des pays du monde? Peut-être quelque chose ne va pas avec ces pays. Si vous voulez améliorer votre niveau de professionnalisme, envoyez une équipe de tournage à Moscou. Je vous parlerai ouvertement. Vous parlez chaque jour de la désinformation des médias russes, mais vous remportez la médaille d'or loin devant. Et vos téléspectateurs le savent, par contre, lisez leurs commentaires sous vos vidéos. En conclusion, je veux vous dire que si j'étais française, j'aurais honte des journalistes comme vous. Voilà, il fallait entendre un témoignage. Ça permet de faire l'équilibre entre ce que dit Pujadas et ce que dit la jeune Peskova, d'ailleurs, je crois qu'on dit en russe, hein, si ma mémoire est bonne, de mes années de russe. Voilà. Il est important, en fin de compte, lorsqu'on a de l'actualité, de peser le pour et le contre. On vous avait annoncé à peu près sur tous les écrans, sur tous les médias de réinformation que Bakhmout allait tomber. Et nous sommes au début avril, et bizarrement, Bakhmout tient encore, même s'il ne reste plus qu'un petit réduit. La question que je me suis posée, mais pour quelle raison? Lorsqu'on regarde les cartes, on s'aperçoit que la ville est littéralement encerclée. Eh bien, c'est Sylvain Ferrara dans l'émission Vue du droit de vendredi. Je n'ai vu que, hélas, hier, et comme il y en a une nouvelle demain, je regarderai celle demain et je vous mettrai le lien, bien évidemment, avec l'émission de Xavier Moreau au Stratpol, explique que l'ensemble des forces ukrainiennes est devant Bakhmout et que dans ces conditions, Prigojine, avec son groupe Wagner, eh bien, fixe toute cette armée ukrainienne. C'est, paraît-il, un carnage. C'est ce qu'on entend d'ailleurs, hein, c'est ce que vous pouvez lire dans ce reportage de télévision. Donc les Russes prennent leur temps pour une raison simple, hein. Ils ont l'avantage. Alors, ce qu'on aimerait, parce que nous sommes des forces de paix, on aimerait que la propagande cesse sur LCI, que les chaînes de télévision françaises cessent de servir la soupe à la propagande ukrainienne et que justement ces journalistes poussent vers la paix. Il y en a assez de voir ces pauvres Ukrainiens se faire tailler en pièces pour essentiellement, pour une raison, c'est l'obstination de Zelensky qui ne veut pas perdre la face. Je rappelle à ceux qui m'expliquent, mais pourquoi vous défendez le côté russe, mais je regardez une carte, vous verrez que le front a lieu dans des provinces qui sont russophones et qui ont été martyrisés pendant de longues années par des bataillons de représailles. Voilà. Sinon, un petit moment de détente, ce livre fabuleux de Rudi Rechtschtad, attention, ironie, hâte de lire, cher ami, c'est un
C'est peu dire que tu es au cœur du complot et que je t'y rejoins pour le meilleur comme pour le pire. Bravo. Et Philippe Burer ajoute, nous en sommes convaincus, bonne lecture. En effet, des journalistes aux ordres, bien évidemment. Alors, c'est une vidéo en deux parties, je pense que vous avez saisi la raison. J'espère que vous allez passer une excellente soirée et puis je vous remercie de votre soutien. J'ai eu un petit coup de mou au début de semaine et je l'explique. Très simplement, Fabien Roussel qui voulait rejoindre Darmanin, là pour moi, ça a éclaté tout ce que j'ai jamais vu. Un communiste qui vient rejoindre une personne, un ministre qui réprime les manifestants de son propre parti, qui est prêt à, comment dire, rejoindre Emmanuel Macron. Qui fait la réforme, c'est lui le responsable de la réforme à 64 ans, cela dépassait l'entendement. Et ça montrait surtout la connivence, vous la connaissez bien évidemment, la connivence. Mais je ne pouvais pas imaginer qu'elle aille jusque-là. Bon, Fabien Roussel s'est fait sacrément rentrer dans l'art, si je puis me permettre. Et je pense que les choses sont un peu plus rentrées dans l'ordre. Et j'ai eu un camarade de la réinformation sur Paris, il m'a dit, ça se présente mieux que tu peux l'imaginer, dans la mesure où que le Borne est perdu, les macronistes sont perdus, les syndicats sont prêts à se battre jusqu'au bout. Donc, il y a de l'espoir. Ne désespère pas. Voilà. Et puis, on a vu aussi Trump hein, dans son procès. J'étais un petit peu inquiet. Puis, en fin de compte, ça lui fait une formidable tribune. Nous avons vu Macron s'aplatir devant Xi. Nous voyons la Russie tenir bon face à cet Occident bien agressif. Il y a des motifs d'espoir, heureusement. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour un nouveau numéro. Bye bye.